et que ce qu'on lui défend, pour aller un peu disons au cœur du sujet, c'est que l'idée que la politique elle se joue parfois dans des espaces beaucoup plus secrets, beaucoup plus cachés, dans ce qu'on appelle une sorte de petit. Voilà, la politique elle se joue aussi parfois dans des espaces un peu marginaux, moins de manière gouvernementale, de façon spectaculaire. Et c'est vrai que du coup, il trouble un peu le regard qu'on peut avoir sur nous, sur le regard sur le théâtre, donc le monde d'accueil, quoi. Nous on y va de temps en temps au théâtre, parce que moi dès que je vais y aller, parce que je vais réserver une place, il n'y en a pas, je vais aller voir les spectacles, les autres divertis, là, ça y est bon, il y a beaucoup de place, là, pour continuer à prendre, mais bon, en fait, c'est une autre parenthèse. Donc il y en a quand même un seul, il y en a un grand, que moi j'ai adoré. Donc c'est intéressant aussi parce qu'il nous trouve nous-mêmes dans notre regard de spectateur. Oui, vous avez un spectateur. J'ai bien sûr, notamment j'ai vu comme beaucoup de gens, le spectacle de Joël Thomas, en train de lire, etc. Un spectacle sur, justement, présenté comme un spectacle sur le politique, sur la parole politique. Voilà. Et lui, il démontre un peu ce spectacle. Nous, par contre, qu'on dit, mais c'est vraiment pas le cas sur le sujet, parce qu'il est plus intelligent, c'est plus subtil que ça. Mais il démontre finalement, c'est un spectacle moins politique qu'un spectacle sur le politique. De réparer la société, il a quand même ce bon terme en disant qu'au fond aujourd'hui on demande au théâtre qu'il moralise dans les deux sens du terme, c'est-à-dire qu'il donne le moral et qu'il fasse la morale. Donc moi je trouve que voilà, sa critique elle est assez fine, même si elle se fait au tapis de bombe, et paradoxalement il est dans une défense assez intelligente du théâtre public, c'est-à-dire qu'il dit bien qu'il y a aussi aujourd'hui dans la confusion macroniste entre privé et public, au fond on estime que le public ne tient peut tout à fait être remplacé par le privé et que c'est vrai aussi le théâtre. En fait, il défend au fond une certaine réussite du service public, du théâtre comme service public, fondé l'enthousiasme du premier, au nom du fait que au moins, s'il reste une différence, c'est tout ce qui se passe en fait, qui est une très belle chose, mais au moins une différence, c'est le travail avec le public, au travail sur le territoire. De ses missions. Tout quoi sert le théâtre à retourner au libéral? C'est la question que pose Olivier Neveu dans ce livre contre le théâtre politique, en tout cas la première partie.